faut savoir que je viens, moi, d'un pays très chrétien, très catholique, très pratiquant. Mon père, ma mère, j'avais des oncles missionnaires, des cousines qui étaient une sœur religieuse. Et donc, j'ai baigné dedans tout petit, hein, je suis tombé dedans tout petit. Et l'élément déclencheur, ça a été tout simplement à un moment donné, je me souviens, c'est comme le prophète Amos, hein, il a été pris de derrière le troupeau. Moi, dans mon jargon vendéen, je peux dire que j'ai vraiment été pris au cul des vaches. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Ce jour-là, je me suis dit, ben, je vais être prêtre. Je suis allé annoncer ça à ma mère, qui m'a embrassé. Elle n'a rien dit d'autre, mais elle était manifestement heureuse. Elle se serait bien gardée de vouloir m'influencer de manière directe en me disant, tu veux pas aller au séminaire? Non, ça, elle ne l'aurait pas fait. Mais voilà l'élément, c'est-à-dire c'est tout un contexte chrétien qui a fait que voilà, être prêtre, c'était quelque chose qui comment dirais-je, qui répondait à un désir que j'avais en moi et qui m'avait été inculqué depuis tout petit. Ben, je vais vous étonner peut-être. Tiens, l'une de mes joies, et c'est pas simplement une fois, c'est au cours de la messe du dimanche, lorsque je vois toute une assemblée de chrétiens que je connais généralement assez bien, et qui est debout et qui chante ce qu'on appelle l'anamnèse, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons bien gloire à toi qui étais mort, quand je sens cette unanimité d'une assemblée qui chante Jésus vivant, qui n'a pas besoin de le dire qu'il est vivant puisqu'on s'adresse à lui en tu, gloire à toi. Donc que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et que c'est ça qui nous tient debout dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça, je vous assure, ça me remplit de joie. Je vibre parfois, vraiment vibrer. Et pour moi, c'est... Voilà. Alors là, il y a du bonheur et du sens. Ben, c'est pas compliqué à dire, hein. C'est vraiment l'évangile avec un E majuscule. Ça, c'est le moteur. C'est-à-dire, ça a tellement de sens pour moi d'être le témoin, humble témoin, je prétends pas être meilleur que d'autres, pas pire non plus, hein. Mais d'être le témoin du visage que Dieu a révélé depuis Abraham et ultimement en Jésus, dans la croix de Jésus, ça a tellement de sens de dire ça, finalement, de dire que, au bout du compte, Dieu est amour. Et de pouvoir le dire à d'autres, et de le dire constamment dans des groupes. Hier soir, j'étais avec un groupe de préparation au baptême, des gens qui sont relativement loin de l'Église, enfin, ils sont ouverts, bien sûr, mais que ça donne du sens à une vie, ça remplit une vie, et puis j'ai le sentiment de faire grandir des personnes, y compris sur le plan humain, en leur annonçant ou en réactivant en elles le message chrétien. Parce que je crois que, comment dirais-je, si c'est pas humain, ça peut pas être chrétien. Hein. Ah, un jeune qui se pose la question de la vocation d'être prêtre, j'ai envie de lui dire, vas-y, mais vraiment, même si c'est pas évident, ça remplit tellement une vie. Moi, je suis tel. Alors, il y a des difficultés, mais on a des relations fraternelles, des relations qui sont profondes. On a le sentiment d'aider des gens à se remettre debout, de démultiplier à cause de l'évangile que l'on annonce et de la communauté chrétienne que l'on construit et de cette Eucharistie qui vient sceller tout ça, de démultiplier leur possibilité de vivre, que vraiment, ben, il faut y aller. Vraiment, 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 c'est ça.